Mec, elle est puissante cette voiture, elle va supporter le voyage. Je suis déjà venu avec de Luanda, t'as oublié? Encore heureux. Je ne veux pas avoir à pousser ta voiture puissante pendant le voyage. Tu as déjà dit à Nahir que tu arrives demain? Non. La dernière fois, elle m'a raccroché au nez, tu sais. Mon ami, il faut savoir apaiser les tensions. Je sais. La première chose que je vais faire en arrivant, c'est parler avec elle. Allez, on y va. C'est parti, mon vieux. On sort. Besoin d'aide? Aide-moi un peu. Oh, le gros tas. Et ça te fait rien. Le gros tas, tu pèses, hein? C'est pas vrai. Entrer dans une voiture comme ça. Oh, je te jure. Oh, vous allez sortir sans rien manger? Je ne peux pas être en retard, je vais à la radio faire un test de voix. Et moi, maman, j'ai plus de 10 livraisons à faire ce matin. Fiston, viens ici, attends. Claude vient dîner ici ce soir? Oui, maman. À plus, ciao. Alors, Nahir, comment ça se passe entre Gerson et Ivo? De pire en pire, tu sais. Cette histoire d'Ivo qui vient vivre à Luanda, je prie presque tous les jours pour qu'il ne se croise pas dans le quartier. Écoute, Ivo va devoir trouver une bonne excuse pour que Gerson le croie. Oui. Tu as raison, je lui ai déjà dit. Ça fait vraiment beaucoup de mensonges. Et tu sais, mon fils va en souffrir, j'en suis certaine. Et le fils d'Ivo qui revient, il doit avoir beaucoup d'argent pour faire venir sa famille de province. Je ne sais pas. Je ne sais rien de ce fils qu'il a. Il ne parle jamais de ses autres enfants. Jamais. Dis-moi un truc, Nahir. Puisqu'ils viennent tous vivre à Luanda, il va venir plus souvent ici? Dieu seul le sait. Je me demande bien comment il va continuer à être sur les deux fronts à la fois. Je me le demande. Gerson, excuse-moi, mais tu as une copine? Moi? Bien sûr que non. Qui t'a dit ça? C'est bien ce qu'il me semblait. Ta mère pense que tu sors avec Clade. Ma mère. Tu te souviens? Quand je te parlais de la situation où tu plais à quelqu'un, mais que c'est pas réciproque. Tu parlais de Clade, c'est ça? Ouais. J'ai remarqué que je lui plaisais vraiment beaucoup, tu vois, mais moi, non. J'ai pas encore eu le courage de lui dire que je ne ressens rien pour elle. Gerson, pas la peine d'insister. Quand l'un ne veut pas, ça ne marche pas. Pense-y, ok? D'accord, Jamie. Bisous. Bonne journée. Ça ne va pas se passer comme ça, Kim. Ils m'ont ridiculisé à la radio. Un jour, le CD de Jamila est arrêté et le suivant, tout fonctionne. Ça ne peut être que Greg. Oui, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tant d'intérêt et de dévouement vers Jamila? J'ai fait des recherches sur son entreprise. Certains de ses artistes prêtent leur visage à la marque de luxe qu'ils représentent. D'accord. C'est une chose d'engager un chanteur pour s'associer à une marque. Mais une autre d'être son agent, oui. Prendre soin de sa carrière, etc. Et Jamila n'est même pas connue. Voilà, je dois découvrir l'intérêt de Greg pour Jamila. Et plus, quel genre de relation ils entretiennent? Comment tu vas découvrir ça? Je ne sais pas. Mais une personne sait tout de la vie de Jamila. Elle pourra peut-être m'aider. Qui? Son cousin Nuno? Ce n'est pas toujours la famille qui sait tout de nous, Kim. À plus. À plus. Pé na estrada, quanta coisa tem pela frente. Tudo ou nada, quando a vida cobra. Vraiment bien cette couleur, magnifique. Je vais aussi le faire pour moi. J'adore. Maintenant, il faut que tu laisses sécher et ce sera parfait. Bonjour. Oui? J'aimerais parler avec Nahir. C'est moi-même. En quoi puis-je vous aider? Je suis venu parler avec vous de Jamila.
La voiture est propre. Prête pour le voyage de demain. Je vais aller faire un tour avec ma princesse, voir si elle est bien rodée. Moi, je vais rester ici pour ranger les outils. Voir ce que j'emporte à Luanda et ce que je vais vendre. Sois content, cousin, sois content. Cousin, parfois je pense que Joël n'aurait pas dû revenir en Angola. Hé, ne dis pas ça. Joël est ton fils, ça fait plus de 15 ans qu'il est loin de la famille. Il a une belle vie, il était bien aux États-Unis. Ce retour ne me cause que des problèmes. Arrête avec ça, mon vieux. Regarde plutôt. Você vai adorar. Jamila m'avait déjà dit qu'il y avait un Joël dans sa vie. Oui, nous sommes amis de longue date. Très bien. Tiens, il va y avoir le compte. Merci, ma belle, c'est bien ça. La semaine prochaine, il faut que vous passiez. Il y a des nouvelles couleurs qui vont arriver. Ok, je passerai plus tard. Oui, c'est ça, c'est très bien. Ciao. Je ne veux pas vous gêner dans votre travail, promis, je ne serai pas long. Non, non, tout va bien. Il faut que j'aille chez moi chercher des vernis. On en profitera pour parler au calme. Ça vous va? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on y va. Je vous en prie. Je ne vais pas user de votre temps, Nahir. Non, ça va, j'ai une cliente, mais elle n'arrive que d'ici une heure. Nahir ! Nahir ! Mon Dieu, qu'y a-t-il ? Aide-moi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-il arrivé ? Regarde-moi ça ! Cassé, sans éclat et plein de peau. Je n'arrive pas à respirer correctement avec des ongles comme ça. Oui, mais je ne vends pas encore d'oxygène, Priscilla. Je sais. Bon, passe plus tard au salon, d'accord ? Nahir, il faut que ce soit maintenant, avant que Monsieur Bento arrive avec un balai du détergent dans les mains. Tu ne vois pas que je suis occupée ? Oh, je le connais. Je ne savais pas que les princes avaient des cuticules. Je suis simplement venue parler avec Nahir. Passe au salon plus tard, on s'en occupera. Nahir, tout de suite, je ne sais pas à quelle heure je vais sortir du travail et je n'arrive même pas à servir une bière avec ces mains de crapaud. D'accord, d'accord, d'accord. Va m'attendre au salon, je vais prendre quelques vernis. Ah, allez, merci, vas-y. Merci, chérie. Oh, si ton salon ne se trouvait pas juste à côté du bar, j'aurais déjà démissionné. Pardon, Joël. Tu sais comment c'est. On ne peut pas refuser du travail. Tout argent est bon à prendre. Oui. Hein? Oui. Une minute, d'accord, s'il te plaît. C'est une discussion rapide, Nahir. J'ai compris, j'ai compris. Je sais que Jamila est dans une situation compliquée, mais chez Musicao, elle aurait une carrière. À la radio, il n'y aura qu'un disque. Je ne comprends pas bien tout ça, mais je sais qu'elle a eu du succès au concours Voix d'Or. Elle a vraiment une voix merveilleuse. C'est vrai. Mais elle a besoin d'être accompagnée. Et son agent, Gregorio Chiala, n'a même pas de lien avec la musique. Mais il l'aide beaucoup. Oui, mais il n'est pas du milieu. Il a une entreprise de produits de luxe. Vous ne trouvez pas bizarre qu'il s'intéresse à une chanteuse? Bon, je vois bien que votre opinion est toute faite, vous n'avez pas besoin de la mienne. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Jamila. C'est pour ça que je suis venue vous parler, car je sais que vous êtes amis, pas vrai? Nous sommes très amis. À chaque fois que Jamila a besoin de mon aide, je suis là. Quand elle me demande des conseils, je lui en donne. Mais je ne comprends pas comment je peux vous aider. Par rapport à Greg, je voulais savoir s'il s'intéresse à autre chose chez elle. C'est un sujet qu'il vous faut aborder avec Jamila. C'est elle qui a la réponse, pas moi. Je vous souhaite une bonne journée. Celle de riche qui se brise. Mais qu'est-ce qui se passe? Les draps ne vont pas, la table de chevet a des coins. Je me suis levé du pied gauche. J'en ai encore le droit, non? C'est à cause de ce client, c'est ça?
Tu n'as pas encore résolu ton dilemme. Je m'occupe de tout. Je vais me débarrasser de ce problème. Attention à ce que tu fais, William. Qui est ce client? Il est dangereux, tu peux mettre en danger l'entreprise. Margarita, tu me poses trop de questions. Tu ne veux jamais rien savoir. Tu es toujours prise par ta paperasserie. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention. Il t'a menacé, fait quelque chose. Ne t'inquiète pas, je sais comment régler ce genre de situation. Si tu le sais, pourquoi es-tu si nerveux? Je t'ai dit que je m'en occupais. T'as des raisons de te plaindre? William, je ne veux pas de clients insatisfaits. Ils seraient capables de vendre la mèche. Personne n'en saura rien. Ni sur l'affaire, ni que c'est nous qui la gérons. Tu sais très bien ce qu'il y a en jeu, William. Nous pouvons absolument tout perdre. Tu peux la fermer. Tu vois pas que je suis au téléphone? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que je sache pour avoir le temps d'éviter le pire, si c'est encore une galère. J'ai commandé une montre pour le faire taire. Une montre? Mais William, tu crois vraiment qu'une montre fait taire quelqu'un? Si c'est une montre de luxe, oui. Allô, Greg? Je sais déjà pourquoi tu appelles, William. Alors, t'as la montre que je t'ai commandée? Elle est arrivée hier, j'allais justement t'appeler. Ne t'inquiète pas, je passe à Sainte-Agnès te la donner. Bonjour, je peux? Oui, à plus tard. Oui, à plus tard. Tu voulais me parler? Oui, c'est à propos de ton ami Antonio qui était ici hier. Ne me parle pas de cet idiot. Ils m'ont raconté. Rien que de m'en souvenir me donne envie de vomir. Ah oui? Tu veux dire que la fête avec les filles ne s'est pas bien passée? Je n'y suis pas allé. Un de nos amis avait aussi été invité. Il m'en a raconté une belle. C'est un hypocrite, un cynique. Quelle plaie, je te jure. Mais vous êtes amis depuis tellement de temps, tu ne t'es jamais douté de rien? Rien, parce que tu vois, il racontait toujours des histoires, des aventures avec ses potes, les fêtes, les femmes, des mensonges, tout. C'est les pires. Ce sont ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Le fait de savoir que je lui ai déjà serré la main, franchement, il me dégoûte. Ouais. Tous. Les contrats sont prêts. Si tu n'as plus besoin de moi, j'y vais, parce que j'ai plein de travail. Moi aussi, j'ai plein de boulot. Je suis déjà en retard pour un rendez-vous important. À plus. À plus. Je n'ai encore jamais fait de test de voix. J'en ai des nœuds au ventre, tu peux pas savoir. Mais non, du calme. Le studio ne va pas s'envoler. Alors, tout va bien? Prête pour le grand jour? Ça fait bien longtemps. Le régisseur se gare. Écoute, Jamila, l'idée, c'est d'enregistrer ta voix dans plusieurs registres. Oui, je sais, voix de gorge, voix de tête, falsetto... C'est exactement ça. Explore au maximum ta voix pour qu'on puisse envoyer les résultats au producteur. J'entre alors. Oui, tout à fait. Je vais échauffer ma voix. Quand ce sera le moment de commencer, je te préviendrai. Oui. Alors, je t'envoie encore aujourd'hui la facture avec le prix du studio et du régisseur du son. Tranquille, Duarte, relax. Je n'ai pas oublié que c'est moi qui devais payer la note du CD de Jamila. Oui, mais tu sais que si on avait attendu encore 3 mois, ce serait compris dans le budget de la radio. T'inquiète pas. Remplis ta part du marché et c'est tout. Oui, d'accord. Et elle n'aura même pas à savoir que tout ça sort de ta poche. C'est exactement ce que je veux entendre. Il se passe quelque chose entre Greg et Jamila. Nahir n'a pas confirmé, mais elle n'a pas démenti non plus. Si quand tu as mentionné le sujet, elle t'a dit de demander à Jamila... C'est qu'il y a quelque chose à savoir. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'elle dit et tu ne parles pas à Jamila? Après ce qui s'est passé à la radio, Kim? Après que Duarte m'ait contredit devant Jamila? Non, il faut que je sois fin prêt pour me lancer une seconde fois. On dirait que tu parles d'une affaire, d'un examen, et pas de conquérir la femme de ta vie. Kim, il faut savoir quand faire un pas en arrière, pour pouvoir faire 2 pas en avant. Je vais me concentrer sur ce qui m'a fait revenir en Angola. Je sais que tu es rentré pour te venger. 1 à 1. Ceux qui m'ont fait du mal dans le passé vont commencer à avoir ce qu'ils méritent. Joël, j'avoue que j'espérais que ton amour pour Jamila... Kim, j'ai besoin de toi et de ton pragmatisme, pas d'une femme romantique. En tant qu'ami, je veux que tu sois heureux. Je le serai le jour où tous ceux qui m'auront empêché de sauver ma mère auront souffert. Souffert comme elle a souffert, couchée par terre comme un chien. Joël, tu as retrouvé Jamila. Tu as la femme de ta vie à reconquérir. Tu vas repousser l'amour pour une vengeance. Oui, pour l'instant. Tu as conscience qu'à un moment, il va falloir que tu choisisses. Je suis revenu pour me venger. Maintenant, ce qui va se passer entre-temps, je ne peux pas le prévoir. Impossible. Allô, son? Allô, son? Allô? Allô, allô, son? Negra, de cara pinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Negra, de cara pinha dura,
Não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo, essa tua carapinha. É o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovô deixou e você vai guardar. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Tu étais géniale, Jamila. Tu vas voir qu'une chanteuse célèbre comme elle sera très surprise. Si je suis aussi bonne que tu le dis, qui sait, un jour on enregistrera peut-être un duo. Qui sait? Écoute, Jamila, j'aimerais vraiment pouvoir te déposer, mais il faut que je livre une montre à un client. Non, pas la peine, pas de problème. Écoute, merci pour tout. Jamila, je... Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, ça fait un moment que nous n'avons pas parlé de nous deux. Je t'ai expliqué. Il n'existe pas encore de nous deux. J'aimerais vraiment que ça change. Et si les choses se passent comme je l'ai prévu, je vais me séparer de Bianca plus vite que je ne le pensais. Excuse-moi, mais dans ma vie, il y a eu beaucoup de si. Je ne veux plus de ça. Tu ne veux pas que ça aille plus loin? Non. Mais reviens m'en parler quand ton mariage sera de l'histoire ancienne, parce qu'avant, ça ne vaut pas la peine. Ma sœur, c'est bien que tu arrives. Je ne vais même pas demander s'il s'est passé quelque chose. Ton visage parle pour toi. Une information de folie. Laisse-moi terminer ça et on en discutera. Joël a dépassé les limites. D'abord, il fait un scandale à la radio et là, il vient parler avec toi. Oui, il est venu me parler. Il voulait savoir pour ta carrière, mais au fond, ce qui l'intéressait, c'était de savoir quel type de relation tu avais avec Greg. Et qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu croyais pas que j'allais parler pour toi? T'es folle. Merci, Naï. Je n'ai pas de chance avec les hommes, mais au moins, j'ai de très bonnes amies. Comment ça, tu n'as pas de chance avec ces deux canons à tes pieds? Ouais. Le premier est marié et l'autre vient te parler ici. Tu ne trouves pas qu'il en fait un peu trop? Non, d'abord, je l'ai trouvé beau, très beau, charmant, intelligent et ils sont épais. Encore une chose, s'il est venu dans ce quartier, c'est qu'il t'aime vraiment bien. Ça suffit, Naïr. Encore aujourd'hui, Greg m'a parlé pour me dire qu'il va quitter sa femme et qu'au bout du compte, tout va s'arranger. Alors, si tu as déjà fait ton choix, pas besoin d'être si nerveuse. Ou bien... Et voilà ce que tu m'as demandé. Superbe. Avec cette merveille, je suis sûr que je vais me débarrasser de mon problème une fois pour toutes. Continue à avoir des problèmes et je continuerai à te livrer. Tais-toi, imbécile. Je parie là-dessus pour régler un problème qui m'empêche de dormir depuis longtemps. Ça doit vraiment être grave si tu dépenses autant. Ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Tu es sûr, William? Tu crois vraiment que cette montre va régler tout ça? Je vais voir le client maintenant. Il va la mettre au poignet et oublier toutes ses plaintes. Ça ne serait pas mieux que quelqu'un t'accompagne? Qui? Toi?
C'est la première fois que tu t'intéresses aux affaires et tu veux être mon garde du corps. Le sujet est sérieux, William. Je suis inquiète. Et comment tu vas pouvoir me défendre? Avec tes hauts talons? J'essaie juste de t'aider. Et si jamais ça se passait mal? Aucun risque. Il est de ses clients qui n'a pas beaucoup d'argent. Il rêve de se retrouver avec un objet aussi luxueux. J'espère que tu as raison. Tu m'appelles après. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Lucio, mon grand ami. Tu es venu seul? T'avais pas promis d'apporter... Ah, j'ai un autre cadeau. Je suis sûr que ça va te plaire. Mais tu te fiches de moi ou quoi? Du calme, Lucio. C'est calme. Pas ce qu'on avait prévu. Où est la marchandise que je t'avais commandée? Lucio, la marchandise n'est pas disponible. Mais elle doit l'être! C'est pour ça que je te paye! Lucio, je peux t'avoir encore mieux, tu sais, mais ce que tu demandes, c'est quasiment impossible. Ça, c'est ton problème! Ou tu me donnes ce que je veux, ou tout Luanda va savoir ce que tu fabriques! Du calme, on va trouver un arrangement. J'en veux pas de ton arrangement, tu vas finir à la poubelle! Non, c'est pas nécessaire, Lucio, c'est pas nécessaire. Accepte mon cadeau et on va boire un coup quelque part, d'accord? Arrête de me rouler! J'en ai marre de toi! Lucio, je peux te trouver encore mieux. Je t'ai dit ce que je voulais! Lucio, je t'ai dit que c'était impossible. Tu as 24 heures pour me la porter en main propre. 24 heures? Mais 24 heures, c'est rien. C'est soit ça, soit tu seras dans le journal, à la rubrique nécrologique, parce que je vais en finir avec toi. Ordure. Du calme. Espèce d'ordure. Quelle plaie! William, j'espère que tu vas avoir ce message. Je veux savoir si tout s'est bien passé avec le client. Rappelle-moi. Je peux entrer? Roberto, non, s'il te plaît, je suis très occupée. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Margarita, ça fait 2 jours que je suis dans la salle et aucun élève n'est venu pour le cours de soutien de physique-chimie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je sais pas, il y a peut-être eu une erreur. Roberto, je fais de mon mieux pour t'aider. Mais je ne peux pas obliger les élèves à avoir des doutes. T'es sûr qu'ils sont bien informés? Roberto, les informations sont données au secrétariat comme prévu. Je ne peux rien faire de plus. Je comprends, mais tu as une idée de ce que je pourrais faire? Attendre. Patience et mère de sûreté. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Roberto est stupide. Il est évidemment revenu pour donner des cours aux mouches. Le pauvre. Je suis très embêtée, j'ai quelques élèves qui sont intéressés par ces cours. Et tu as fait ce qu'on avait prévu. Tu leur as donné de l'argent pour qu'ils prennent des cours ailleurs. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à faire ça, Margarita? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à ce que ce rat soit loin de l'université. William? Margarita, pas maintenant. J'ai cours et je suis déjà en retard. William, attends. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler. Si j'ai pas répondu ni rappelé, pourquoi? C'est que je voulais pas te parler du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? La discussion avec le client s'est mal passée. Il a pas accepté la montre ni quoi que ce soit d'autre. J'ai jusqu'à demain pour lui donner ce qu'il veut. Sinon, il va parler de nos affaires. Et il m'a même dit qu'il était prêt à me tuer. Et maintenant, William, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, commence à y penser aussi, parce que si je tombe, ce ne sera pas seul. Tu tomberas avec moi. Un beijo para ti, un beijo suffit. Para stop, mim. Stop. Oh, quelle fierté. C'est un privilège de voir deux stars naître comme ça devant nous. Essayons autre chose. Vous devez apprendre à respirer. Ils ont besoin d'un miracle. D'accord. Faisons une pause. Les futurs chanteurs doivent se reposer aussi. Vous avez besoin d'un petit thé. J'aime pas l'eau tiède. Je préfère le chocolat chaud. Tiens. Buvez, mes petits, buvez pour vous réchauffer les cordes vocales. Ça fait du bien, pas vrai? J'espère que oui. Difficile de faire pire. Eh ben, dépêchez-vous un petit peu. J'aimerais bien finir la vidéo, moi. Ces premières répétitions vaudront des millions dans quelques années. Attention à la respiration. Daniel? Je sais respirer depuis ma naissance, sinon je serais mort. C'est la respiration quand tu chantes. Cette petite ira loin. Un chanteur doit savoir utiliser son diaphragme. Contenir l'air dans son diaphragme. Inspirer et expirer. Je comprends rien du tout. Daniel, inspirer, c'est prendre de l'air par les narines. Et expirer, c'est faire sortir l'air par la bouche. Comme ça, professeur? Arrête, Daniel. On dirait un chien qui vient de faire le tour du parc en courant. Allez, Anna, à ton tour. Expirer, c'est la sortie de l'air par la bouche. Hein, et vider son ventre. Allez, Anna, allez. Oui, oui. Waouh, ces petits sont vraiment nés pour chanter, pas vrai, Maria? Pour devenir des artistes. L'opinion de la mère, je ne la discute pas. Do, mi, sol, sol, mi, okay, arrête, do. Arrête. Anna. Do, mi, sol, do, mi, sol. Quelle agréable surprise, Anna. Quelle agréable surprise. Bon, alors on y va. Des cours de chant en secret, Bianca? C'est n'importe quoi. Et si Carlos découvre ce que tu fais avec ses enfants? J'y penserai plus tard. Un problème après l'autre. Je veux d'abord choisir le nouveau visage de Besport. Ton frère m'a dit qu'il t'avait suggéré de refaire un contrat avec une femme. Le cerveau de Carlos ne pense que 2 secondes par jour. Cette idée n'a pas eu lieu à ce moment-là. Tu trouves ça tellement impensable de reprendre une femme pour la campagne? Bien sûr. Principalement après avoir découvert que tu t'étais mis à parler avec cette Jamila. Et quel est le rapport avec la campagne? Greg, tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'une femme était le visage de Besport? Oh, Bianca, ne viens pas me parler de ça maintenant, s'il te plaît. Cette femme, cette morue, plus connue comme Claudia Rodriguez, a failli nous séparer. On s'était mis d'accord pour ne plus en parler. C'est toi qui as abordé le sujet. J'ai décidé que je ne voulais plus jamais qu'une femme représente Besport. Est-ce que ça te pose un problème? C'est toi qui décides du futur de ton entreprise. Bien, je vais au spa. Ce manque d'idées m'assèche la peau. On se voit à la maison. Où va-t-on, Big Boss? Un spa du plaisir. Peut-être que ça m'aidera à avoir une idée brillante pour le nouveau visage de Besport. Allons-y, je ne voudrais pas rater le rendez-vous.
On ne pourrait pas aller ailleurs. Tu es sûr que ta cousine ne va pas débarquer? Madame m'a demandé de choisir. Pas de souci. Elle est indépendante maintenant. Mais elle va revenir vivre ici. Ça, j'en suis sûr. Ah, tu adores être macho, pas vrai? Tu crois que tu sais tout des femmes? Ce que j'ignore, tu pourrais me l'apprendre. Je n'ai le temps que pour des cours pratiques. Tu m'avais manqué. Je suis là maintenant. Profite. You and I got chemistry you like to deny. And funniest of all is you keep coming back for more. Déprimant. Quel est le problème? Celui de quelqu'un qui voulait manger gastronomique et qui se retrouve avec du temps en boîte. Je trouve que ça s'est pas si mal passé, Bianca. Chérie, le pire aurait été que tu me demandes en mariage. En plus, je n'ai toujours pas d'idée lumineuse pour le nouveau visage de Besport. Pense-y pendant que je vais à la salle de bain. Pourquoi es-tu si pressée? Je vais préparer un repas. Alors c'est ça. Tu t'es dépêchée pour voir le match. Un grand match. C'est toi, on le regarde ensemble. Tu as sorti des cacahuètes et de la bière. T'es sérieux, t'es vraiment nul aujourd'hui. Il n'y avait plus rien. Allez, c'est toi. Je ne reste pas jusqu'à la fin du match. Je veux rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai une vie à la maison. Joli! Ça, c'est du lancer. Qui c'est, ce Will Smith du basket? Erickson Leal. J'ai joué avec lui en arrivant à Luanda. Ça nous arrive de boire des bières, de discuter, quoi. Tu le connais? Ouais. Il a toujours bien joué. Mais il n'a pas réussi à trouver un grand club. Assieds-toi. Finalement, je veux voir ce match. Allô? Qui c'est le meilleur journaliste sportif d'Angola? Chérie, j'ai besoin de ton avis. Que penses-tu d'Erickson Leal? Oui, le joueur de basket. Ok. Merci pour l'info. On doit se faire un dîner, un de ces quatre. Oui, bisous. Qu'est-ce que tu as ce matin? Tu t'es levée avec les poules? Aujourd'hui, je me suis réveillée au doux son de mon brillant esprit au travail. Explique-moi ça. Je suis sur le point de trouver le nouveau visage de Besport. Erickson Leal. On dirait que tu sais toute sa vie. Il te manque plus que la taille de ses caleçons. Même ça, je vais bientôt le savoir. Madame, c'est quand vous voulez. Je vais manger un morceau, alors on se voit plus tard. Nuno, j'ai besoin que vous appeliez votre ami Erickson Leal. Sérieusement? Mais pourquoi, madame? Parce que je veux un rendez-vous avec lui à Besport. Allez. Moi, je ne comprends pas. C'est mon troisième jour à Sainte-Agnès et je n'ai absolument aucun élève. La persévérance, c'est la clé du succès, Roberto. Tu as raison, mais là, même les cours de soutien sont gratuits et personne ne vient. Ne te décourage pas, tonton. Tout dans la vie ne se passe pas toujours comme prévu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Oui, tu as raison. Bon, ben, je vais y retourner. Peut-être qu'il y aura un élève cette fois. D'accord, à plus tard. Kim, tu as entendu? Les cours sont gratuits et personne ne vient. Tu ne trouves pas ça étrange? Et tu penses à quoi? À rien, Kim. Mais j'ai ma petite idée. Nous verrons comment ça se passe dans les jours qui viennent.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ici l'immeuble de Besport? Oui, c'est ici même. Merci. C'était Erickson Leal, Kim, j'en suis sûr. Un grand espoir du basket national, mais il n'a jamais percé. Alors, je ne vois pas l'intérêt. Bonjour, Michaela, ça va? Oui, je veux tout savoir de ce qui se passe à Besport. Qui entre, qui sort, j'ai compris. Tu veux que je découvre pourquoi il est venu chez Besport? Non. Cette fois, ce ne sera pas nécessaire. Le temps est venu d'utiliser une autre source d'information. Ça, tu peux me croire, le téléphone qui sonne le matin, c'est soit le réveil, soit une mauvaise nouvelle. Pas d'admiratrice qui te dise bonjour? J'avais tort. On dirait que la journée commence bien. Allô, Joël? Mon grand pote? Alors, Nuno, ça va? Tu peux venir à Musica House, s'il te plaît? J'aimerais bien te parler. Bien sûr, Joël. J'arrive tout de suite. D'accord. À toute. Si la patronne me demande, je reviens vite. Madame Bianca est avec Erickson Leal, et quelqu'un qui est avec un homme comme lui ne voit pas le reste du monde. Réveille-toi, Clade. C'est drôle, Erickson. Ta réputation est bonne et mauvaise. C'est ce qui arrive aux champions. C'est là le problème. Malgré tes qualités, tu n'es jamais devenu un joueur de premier rang. Pourquoi ? Je crois qu'il m'a toujours manqué un peu de chance. J'ai pas rencontré les bonnes personnes. Jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? Erickson, j'étais choisie pour être le nouveau visage de la nouvelle campagne de Besport. C'est vrai? Vous disiez que ma réputation n'était pas bonne. Il est plus facile de se tromper que de corriger nos erreurs. Je vais te donner l'occasion de laver ton image. Waouh, et c'est pour de vrai? D'ici un an, je veux te voir à la Coupe du Monde. D'accord? Je vais essayer de pas trop vous décevoir, je vous le promets. J'espère. Sinon, ta carrière finira avant d'avoir pu dire panier. Bienvenue à Besport. Elles sont pour toi. Hey. Bah, dis donc, ces lunettes de soleil sont superbes. J'adore. Tu m'as aidé à trouver Jamila. Je voulais te remercier. Mais Joël, fallait pas. Nous sommes amis. Je te connais depuis tellement longtemps. Accepte-les, Nuno. Elles sont pour toi. Elles sont très bien. J'aime beaucoup faire plaisir à mes amis. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. J'y penserai. Alors, tu joues toujours au basket? Ouais, je joue un peu au ballon avec les mecs de la bande. Écoute, j'ai vu Erickson Leal aujourd'hui. Il allait à Besport. Je sais, c'est moi qui l'ai appelé. Ah, d'accord. Grand joueur, pas vrai? Ça, c'est sûr. Je comprends pas pourquoi il a pas atterri dans un grand club. Ça va changer. On va commencer à le voir à la télé, dans les journaux. Les grands clubs vont l'avoir à l'œil. Ah oui, on va commencer à parler de lui? Erickson Leal va être le nouveau visage de Besport. Ah, c'est un bon choix de Bianca, mec. Il a beaucoup de fans. Les minettes vont toutes être comme des folles, en voyant les affiches de lui en caleçon. Ça, je veux bien te croire. Cette campagne de Besport va être un succès. Ça va casser la baraque. Encore une fois, merci. Nuno Nassoma, à votre service. Merci. Vas-y. Le grand Joël. Respect. Allô? Alors, comment ça va? Le moment tant attendu est arrivé? Il est temps que tu viennes à Luanda. Tu as découvert... Écoute, fais ce que tu as à faire, mais viens à Luanda le plus vite possible. Il faut que tu passes à l'action. Tu es d'accord? À bientôt. Alors, tu as découvert quelque chose? Bianca a déjà un nouveau visage pour la campagne de Besport. Et que va-t-on faire? Nous allons détruire cette campagne. Et j'ai déjà pensé à un plan. Em nada, vamos fazer um conto de fadas. Acho que gila.
Não quero pensar em nada.